Yannick Tarago-Torres, agent de la ligne 21 depuis 2 ans. La ligne 21, c'est historiquement la ligne test de Paris. C'est un bus en expérimentation, 100% électrique, c'est pour ça qu'on ne fait pas payer. Voilà. Attention à vous. Ah oui, le premier petit plaisir, c'est ça. J'ai démarré. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, on est sur un système qui est vraiment comme un bus classique, que ce soit pour l'accélération, le freinage, la direction. Alors le principe, c'est il faut que les bus, au terme de l'expérimentation, soient capables d'être utilisés de la même façon qu'un bus classique. Vous voyez, même en pleine charge, ça roule bien. C'est l'avantage de l'électrique, le moteur électrique. On a tout le couple est disponible tout de suite, donc c'est vrai que c'est assez plaisant à conduire. La première chose pour les personnes qui vont l'emprunter, c'est le silence. Oui, c'est agréable, parce que c'est vrai que le bruit, c'est stressant. Je trouve que c'est très agréable, c'est très silencieux. Et ce silence, c'est d'un confort. Que ce soit pour le conducteur et pour les personnes qui vont l'emprunter pour faire un trajet, le silence, c'est fantastique. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est le gain pour les riverains. Tout fait trop de bruit dans la ville, alors un bus électrique c'est silencieux donc c'est super bien. Il y a l'aspect éco-responsable. On branche, ça charge, plus de carburant, c'est un progrès colossal. Et un vrai gain en termes de qualité de travail, c'est un vrai plaisir. Je trouve que c'est super, enfin, j'étais étonnée en montant, mais je trouve que c'est une initiative incroyable dans Paris. On attendait ça avec impatience.